Les guerriers de la culture, ça vous irait ? Oui, parce que je pense que Bourdieu avait fait un joli film qui s'appelait « La sociologie est un sport de combat » et je pense effectivement que la philosophie est aussi un sport de combat. Il faut mériter ce que les grands ont mérité. Mais petit à petit, je m'excuse, je te tutoie, mais tu piques le rôle de BHL, de philosophe engagé. Il est engagé, oui, en face, de l'autre côté de la barricade. Et il est le prototype de, effectivement, ce que je n'aime pas sur le terrain de la philosophie ou de la pensée. La collusion avec le pouvoir, les puissants, l'intrigue, le mépris des petits, des sans-grades, des pauvres, la détestation des gens modestes, l'ignorance même de ce qu'est un personnage modeste. Il ignore que la province existe, que la région existe, que les paysans se suicident, il ignore que des gens peuvent le 15 du mois ne plus avoir d'argent pour acheter de la nourriture à leurs enfants. Il ignore tout ça, il donne des leçons sur tout, il a une proximité très grande avec le lointain, pourvu qu'on soit, que ça se passe en Irak, que ça se passe en Libye, mais une espèce de grande détestation sur le prochain. Eh bien, prenez tout ça, inversez tout ça, et vous avez un portrait de moi-même.